foulé l'artigue, nous étions séduits par ce qui est instantané, éphémère, qui ne se reproduira pas deux fois. Mon père, les images, il saisissait des images qui passaient. Il était émerveillé, ébloui par quelque chose. Et il savait que ça ne se reproduirait jamais deux fois. Alors donc, il faut vite l'attraper. Hein ? Il y a un côté, conserver la beauté et l'émotion. Hein ? Alors, on fait des photos, on attrape des papillons, c'est pareil. Voilà. Moi, je m'étais formé un but, c'était de trouver tous les papillons de France. Alors, j'ai fait des prouesses incroyables. Je faisais 500 km pour aller attraper un papillon avec ma vieille de chevaux. Il faisait beau. Quand j'arrivais, il y avait un nuage foutu. Il n'y avait pas de papillon qui volait. C'était raté, il fallait recommencer. Quand un jour, on attrape un merveilleux papillon d'une beauté sublime et qu'en plus, il est très rare, alors là, on est au comble intellectuellement de tout ce qu'on peut imaginer.